Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Gaëlle Delétras, je suis ingénieure d'études dans une unité mixte de recherche à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, qui s'appelle Passage, géographe de formation et bénévole dans une association qui s'appelle Écosène, une association paloise d'éducation à l'environnement que je tiens à saluer ici parce que l'idée de cette conférence est née lors d'un événement qu'ils ont organisé et c'est là où nous nous sommes rencontrés avec Guillaume. Voilà, exactement. Alors moi, Guillaume Simonet, je suis sociologue parmi d'autres diplômes. Je me suis beaucoup amusé dans la vie. Et donc le fil rouge, c'est que je travaille sur l'adaptation au changement climatique et je suis fondateur d'un cabinet de consultants qui s'appelle Abstraction Service. Alors avant de commencer, on tenait à remercier Les Idées Mènent le Monde pour l'invitation, le Palais Beaumont pour son accueil et puis l'Université de Pau et des Pays de la Dour pour le prêt des boîtiers que vous avez entre vos mains et qui font que cette conférence elle est un petit peu différente d'un format classique parce que le but c'est que ce soit un peu interactif et vous allez donc pouvoir donner votre avis ou répondre à des questions grâce à ces petits boîtiers. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir un autre regard sur l'université. Certains y sont peut-être passés, mais il y a déjà quelques années, à l'époque des rétroprojecteurs, des transparents, des polycopes. Et maintenant, on en est au tableau numérique et à des boîtiers de ce type pour la formation des étudiants. Alors, pour tester ces petits boîtiers, justement, on vous propose de visionner une très courte vidéo, un montage de l'INA, un montage d'archives, 3 minutes consacrées, bien entendu, à la science-fiction. Parce que peut-être que, je ne sais pas si c'était affiché, vous avez bien compris que le thème de cette conférence, c'est la science-fiction et le changement climatique. Donc, pour se mettre un petit peu dans le bain, eh bien, on vous propose de visionner cette vidéo. Si l'humanité accède un jour à ce sentiment, nous, les hommes, affrontant l'univers, ce sera à travers la science. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information ou sur le compte-rendu sportif, et la rue présentera un singulier spectacle. Mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir, non seulement pour leur distraction, non seulement pour leur éducation, mais encore pour tous les actes pratiques de la vie. Karine Adams, depuis bien longtemps, ne se dérange plus pour faire ses courses. Elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger. C'est déjà un fait. La télévision peut apporter l'enseignement programmé à domicile. Demain, elle offrira sur un écran de taille illimitée des programmes choisis à la carte. Personne ne croyait à la possibilité de voyage dans l'espace, ou à l'énergie atomique, aux robots, à tout ce que nous lisions dans Jules Verne, et à tout ce qui est finalement arrivé. Nous devenons peu à peu des martiens. Le mystère des espaces infinis ne nous effraie plus. C'est une très belle formule que Toffler a trouvée, le choc du futur. Que les changements vont en s'accélérant, que tout ne devient pas seulement plus étrange, mais à la fois plus étrange, plus vite. Churchill disait que le monde moderne et lui-même étaient mis devant une alternative. Et que cette alternative, c'était celle de deux enfers. Il y avait l'enfer des guerres et des destructions, et il y avait le second enfer qui était l'enfer de l'automatisme, de la planification, de l'homme-robot. Nous avons atteint ce moment du temps où les erreurs sont si lourdes, et notre marge pour les corriger si petite, que nous ne pouvons plus nous permettre de jouer. Nous avons à prévoir. Les premières maisons sous la mer dont il étudie les prototypes seront apparues sur le plateau continental. Vous devez le croire. Malgré notre meilleure volonté, nous mourrons tous dans un pays étranger. Qu'est-ce que vous appelez un pays étranger ? L'avenir. Est-il préférable
pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur au prix de sa liberté? Voilà, alors on a pu voir quelques-unes des technologies qui sont aujourd'hui quotidiennes, qui font partie de notre vie, qui ont été imaginées à cette époque-là. Et donc, on enchaîne sur une question pour tester les boîtiers. Oui, on a deux questions pour le test. La première, en espérant que vous ayez été attentif jusqu'au bout, c'est de dater ces archives. Elles s'échelonnent, selon vous, entre 1920 et 1953. Réponse A, donc là sur votre petit boîtier, vous cliquez, c'est le 1 ou le A. Réponse B, 1947 à 1976, ou réponse C, de 1968 à 1986. Voilà, alors évidemment, il n'y a pas, pendant que vous réfléchissez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans le sens où vous ne serez pas puni, les boîtiers ne sont pas électrifiés, il ne se passe rien en cas de mauvaise réponse. Et en cas de bonne réponse, il n'y a pas non plus de lot magique ni rien. Non. Voilà. Alors, nous avons un petit taureau qui nous permet de voir combien de votants se sont décidés sur une des réponses. Ça nous permet de voir à peu près combien il y a de personnes dans la salle. Donc là, visiblement, on est à peu près 95. D'accord. Et du coup, on va pouvoir regarder quelles sont vos réponses. Ah ben, il y a eu 71% qui ont bien écouté, il y a eu 13% qui sont arrivés en retard et 16% qui étaient en train déjà de s'assoupir. Alors, ah flûte, je suis allée un peu vite, je reviens en arrière. Alors, on va faire un deuxième test. Oui. Avec la question suivante, quelle idée vous a semblé la plus en avance sur son temps? On se croirait sur un jeu télévisé. Alors A, donc ça sera sur 1 sur votre boîtier, c'est l'usage, il me semble, à mon souvenir, des smartphones. Non. J'arrive, j'ai un petit peu... était trop vite. Vous voyez que la technologie, finalement, a déjà ses limites. Hein, on n'a même pas commencé le sujet. Alors, A, les smartphones dans la rue. Voilà, c'est ça. Réponse B, les écrans de taille illimitée et des programmes à la carte. Réponse C, les commentaires finaux d'Asimov, c'est-à-dire nous allons tous mourir dans le même pays, l'avenir. Réponse D, les achats à distance. Réponse E, l'évocation de la faiblesse des marges de manœuvre de l'humanité. Voilà, c'est parti. Normalement, on devrait atteindre à peu près 95 personnes, à moins qu'il y ait peut-être des gens qui se sont rajoutés. On y est presque. Allez, les retardataires. Alors, il y a toujours des gens qui prennent plus de temps pour bien se positionner sur la réponse. Et qui va être intrigante d'ailleurs. Ah, assez intéressant. Alors, l'évocation de la faiblesse des marges de manœuvre de l'humanité, 34%. Première réponse, vous avez répondu ça en majorité. Suivi des smartphones dans la rue, effectivement, c'est quand même étonnant d'imaginer qu'à cette époque, on puisse imaginer qu'on ait un mobile avec qui parler à l'autre bout de la Terre quasiment. Et la troisième réponse, ce sont les commentaires finaux d'Asimov. Très bien, ouais. Ça marche, bonne nouvelle, ça marche. Okay. Ce soir, la technologie est avec nous. Donc, ça nous permet d'enchaîner sur la question introductive de cette conférence, finalement, c'est pourquoi s'intéresser à la science-fiction. Alors, nous, on a choisi de vous parler principalement des changements climatiques. Les changements climatiques ne sont juste le reflet d'une situation, on va dire, unique. Dans l'humanité, nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique, c'est-à-dire une situation qui est déjà à l'échelle globale et qui a commencé un petit peu dans les années 1700-1800 quand on a commencé à exploiter le pétrole ou plutôt les ressources fossiles.
Alors sur ce tableau qu'on voit bien en fait ici, hein, effectivement, à gauche nous avons les tendances socio-économiques. Donc en gros nous avons une explosion démographique depuis une centaine d'années. En 1800 il y avait à peu près 1 milliard de personnes sur Terre. On se retrouve aujourd'hui à 7,5 milliards, ce qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire même de la planète d'ailleurs. Et donc, entraînant tout ça, enfin, qui est l'œuf ou la poule entre l'explosion démographique et l'explosion de l'usage des ressources fossiles, ça, on peut en parler longuement, mais toujours est-il que l'un a entraîné l'autre, et donc a entraîné avec lui un usage de l'eau, des forêts, etc., tout simplement parce que ces 7 milliards que nous sommes devons nous nourrir, nous habiller, nous loger, etc., etc. Donc évidemment, à droite, nous avons les impacts de ces tendances sur le système Terre. Et donc, vous voyez très facilement avec toutes ces courbes qu'elles ont elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles augmentent toutes de manière très violente, très brutale, limite en exponentielle. Et donc, quand une courbe monte aussi violemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Est-ce qu'elle va retomber à un moment donné? Donc la situation est assez, on va dire, alarmante au point que des milliers de scientifiques s'intéressent à ça, mais pas que. Il y a énormément de programmes, de politiques qui sont mis en œuvre pour essayer de pallier à ça. Alors vous connaissez sans doute les expressions de développement durable, la transition énergétique, etc. Ça fait partie de ça. Et donc nous, on a pris le changement climatique, c'est-à-dire l'impact sur le climat des activités de l'homme, finalement, qui ne sont qu'un petit reflet de cet ensemble. Face à ça, évidemment, on essaye de trouver des solutions et on a pris le parti pris que peut-être la science-fiction pouvait nous donner des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Alors, peut-être, pour résumer un petit peu cette situation, une phrase intéressante, c'est celle d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, qui a écrit 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'on connaît mieux plutôt sous le film en fait tourné par Kubrick. C'est la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà dans l'impossible. Et c'est un petit peu ça la science-fiction, c'est des scènes, de l'imaginaire, enfin quelque chose qui nous paraît impossible. Alors du coup, quels sont les apports de la science-fiction? En fait, il y en a deux grands. Le premier, c'est d'ouvrir ce champ des possibles, c'est-à-dire essayer d'exagérer les tendances qui sont actuelles, de tester un petit peu tout ce qui est scientifique. On nous parle de telle ou telle chose, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable, et de mettre en scène un petit peu ces conséquences à travers diverses scénettes, oui, divers thèmes, etc. Donc en gros, c'est d'explorer un peu le long terme, d'envisager aussi des ruptures et non pas des continuités, et d'aborder surtout, hein, on le voit souvent en fait, des sujets tabous dans lesquels on ne peut pas tout à fait débattre ou discuter ou prendre des actions tout à fait tangibles. L'autre côté, c'est d'utiliser l'imaginaire. L'imaginaire, c'est un petit peu la ressource renouvelable infinie que nous avons tous en nous. Et alors dans ces cas-là, pourquoi ne pas l'imaginer? Alors c'est vrai que l'imaginaire, c'est quelque chose dans nos métiers tous les jours, dans notre vie quotidienne, qu'on a tendance un petit peu à oublier. On est dans un format un petit peu rationnel, on va y revenir un petit peu plus loin sur ça. Mais l'imaginaire reste quand même une sorte de connaissance expérimentale, et surtout ça permet d'extérioriser nos angoisses. Quand je vous ai présenté un petit peu les courbes qui montent et qui sont toutes en exponentielle et que je pose la question qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, c'est sûr qu'il y a une petite angoisse qui peut survenir, et la science-fiction nous permet d'imaginer de manière aussi bien, ça peut être tout à fait dramatique, mais ça peut être tout à fait heureuse, c'est ça qui est bien, l'imaginaire n'a absolument pas de thème privilégié de ce côté-là. Et ça permet d'extérioriser ensemble et de débattre sans avoir à prendre des décisions qui vont avoir des répercussions tangibles. Enfin, l'imaginaire, contrairement à la donnée, parle beaucoup plus. Bon, on est tous touchés par des scènes imaginaires, on a tous été touchés par des livres, par des films, etc., contrairement aux données. Si je vous présente des données sur tel ou tel domaine, par exemple, les données, bon, ça ne nous parle pas, ce sont des chiffres, il faut les comparer, il faut les expliquer, il faut une interprétation scientifique, tandis que l'imaginaire, si on vous plonge dans un thème particulier, tout de suite on comprend tout à fait de quoi on parle. Voilà un petit peu sur les apports de la science-fiction.
Et avant de plonger vraiment dans le cœur du sujet, il faut qu'on dégrossisse un petit peu quelques éléments de cadrage rapide et en particulier deux idées. La première idée, c'est que la science-fiction est surtout le révélateur de l'état d'esprit d'une époque. Les œuvres de SF sont indissociables du contexte socio-économique dans lequel elles ont été produites. Elles reflètent vraiment les questionnements de leurs contemporains, leurs craintes, voire leurs angoisses. Que tu viens d'évoquer, mais aussi leurs espoirs, leurs enthousiasmes qui sont projetés dans un monde futur ou un présent alternatif. Et on va donc vous proposer de visiter très très rapidement et de façon quand même assez grossière, mais pour bien saisir ce séquençage qu'il peut y avoir dans le temps, un découpage en grandes périodes qui sont donc marquées par des inquiétudes différentes, même si c'est un peu caricatural et qu'elles sont toutes présentes tout le temps en filigrane à toutes les époques, mais elles sont plus prégnantes selon les périodes. Donc au XIXe siècle et au tout début de la science-fiction, l'idéal du progrès, dès le départ, est nuancé par un rapport complexe à la technologie. La crainte de l'épuisement des ressources naturelles, le charbon à l'époque, est concomitante de son exploitation, du début de son exploitation. Entre les deux guerres, c'est plutôt l'inquiétude autour de l'organisation du travail. L'organisation scientifique du travail, là c'est représenté par le petit robot, qui transforme l'homme en machine, qui inquiète beaucoup les gens et la robotisation d'une manière générale. On peut s'amuser en ayant l'impression que c'était un sujet qui s'était un petit peu éteint et qui est au contraire à nouveau très très présent dans tous nos esprits parce que les mêmes questions se reposent à nouveau aujourd'hui avec les questions d'intelligence artificielle. Exactement, quels vont être les métiers de demain, quelle est la place de l'homme dans toutes ces activités. Et après 1945, forcément, l'apparition de la science-fiction vraiment apocalyptique, post-apocalyptique, liée au nucléaire, à la guerre froide, puisque là, forcément, on a compris que la technologie donnait le pouvoir à l'homme, la capacité de s'autodétruire. Donc ça, ce sont des peurs qui sont toujours existantes, qui continuent à nourrir les récits, mais qu'on a un petit peu plus digérées, oui, qui sont toujours présentes. Sur toutes ces périodes, les craintes et les peurs qu'on évoque, elles ont été quand même aussi contrebalancées par des visions positives de l'avenir. Le mythe de l'an 2000 a quand même été présent tout au long du XXe siècle, avec une vision, une croyance dans les vertus du progrès au sens large. À partir des années 60 et 70, se pose quand même des questions. C'est l'arrivée de la New Wave, l'éveil de la conscience écologique et des grandes interrogations sur les limites globales de notre système. Donc ça, ce sont des inquiétudes qui ont pris de plus en plus de place au fil des années 80 et 90, mais ça s'est vraiment traduit au moment des années 2000 avec la prise en de conscience du changement climatique dans tes œuvres. C'est ce qu'on verra juste après. On bascule donc du récit apocalyptique nucléaire vers des craintes écologiques et l'idée nouvelle que les catastrophes sont générées collectivement. C'est plus un fou qui appuie sur un bouton, mais c'est vraiment toute une société qui fait que les voyants s'allument. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que l'ensemble des préoccupations se sont cumulées au fil du temps. C'est-à-dire que le problème nucléaire, on l'a toujours maintenant. Les limites de la Terre se posent tout à fait maintenant, etc. La robotisation, tu l'as dit toi-même, avec l'intelligence collective, se sont cumulées. Donc, au fur et à mesure, se sont cumulées les interrogations sur ça. Cela dit, donc, même si les interrogations autour de l'environnement, du changement climatique, etc., sont très fortes depuis les années 2000, elles ont été présente dès le départ. Et donc là, on s'est amusé à chercher les prémices, qui sont donc très anciens, puisque déjà dans Jules Verne, en 1877, il y a des alertes sur
la raréfaction des ressources, c'est pas le terme que je voulais employer, la finitude des ressources. Donc je sais pas si vous lisez très bien, donc l'extrait dit « Ce morceau de houille, mes amis, reprit James Starr, c'est comme le dernier globule de sang qui circulait à travers les veines de la houillère. Nous le conserverons, comme nous avons conservé le premier fragment de charbon extrait, il y a 150 ans, des gisements d'Aberfoyle. Entre ces deux morceaux, bien des générations de travailleurs se sont succédées dans nos fosses. Maintenant, c'est terminé. » Donc voilà, à l'époque déjà où on commence à peine à exploiter, on se pose la question de la fin des ressources. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. De quel roman s'agit-il ? De Jules Verne. Il y a trois romans qu'on vous propose. Le A, ce sont Les Indes Noires. Le B, Le Voyage au centre de la Terre. Et le C, 20 000 lieues sous les mers. Alors bon, là c'est facile parce que tout le monde a lu au moins un Jules Verne. Je pense que vraiment c'est rare ceux qui n'ont pas lu un Jules Verne. Par contre, il peut y avoir peut-être une ambiguïté, on va voir. On peut penser à... Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est, je rappelle ce que tu disais, 1877, et déjà, on parlait de la finitude des ressources. On venait finir d'exploiter un filon de charbon. Nous sommes aujourd'hui en 2018. On se pose la question pareille pour le pétrole, pour etc. Donc la question, ça fait quand même une bonne centaine d'années qu'elle se pose. Voilà. Les sujets, des fois, ne se renouvellent pas forcément. Alors, et il y en a qui ont du mal, on le voit, mais... Il y en a qui vérifient sur leur smartphone, j'en suis sûre. Donc, voilà, du coup, il faut un petit effort. On va regarder les résultats. Alors, les Indes Noires, voilà. Effectivement, c'est la bonne réponse, 51%, la majorité. Mmh. Et effectivement, Voyage au centre de la Terre, on aurait pu penser que c'est ça, puisqu'on parle du charbon, centre de la Terre, bon, on fait... Voilà, donc il y a au moins 51% qui a bien lu, qui sont des férus de Jules Verne, hein, on le voit là. Et puis pour les autres, ben, vous pouvez le relire, hein, finalement. Bon, 20 000 lieues sous les mers, c'était vraiment pour ajouter une troisième réponse. Alors, on a repéré aussi un certain nombre de premières fois. Alors, parce que bah, c'était quand même assez rigolo. Par exemple, une comète qui vient percuter le monde, c'est pas Bruce Willis dans Armageddon, c'est Camille Flammarion en 1895 avec La fin du monde. La première fois aussi qu'on voit une succession de soulèvements géophysiques à l'origine d'un dérèglement climatique et qui entraîne une action du soleil et de la température pour faire fondre les calottes glaciaires et les pôles, c'est dans Le Monde englouti en 1962. On a aussi dans Le Monde vert chaleurs et radiations qui entraînent l'augmentation des radiations solaires et la Terre qui se métamorphose en une gigantesque jungle dominée par des plantes menaçantes et meurtrières. Ça, c'est dans Le Monde vert. Dans un registre un peu différent, dans Nous mourons nus, là, c'est la thématique des déchets qui est abordée. Donc là, c'est un New York qui est envahi par les eaux et bouffi d'ordures. Et le héros, responsable d'un centre de tri et de traitement des déchets, est conscient de la fin imminente du monde et doit partir avec 8 autres personnes sur la Lune pour fonder une nouvelle humanité. La dernière petite icône représente une nouvelle, celle de Jean-Pierre Andrevon, dans un recueil qui s'appelle « Cela se produira bientôt », mais la nouvelle est « Il revient au galop ». Et celle-ci, elle est vraiment particulière parce que on y évoque vraiment pour la première fois, et je cite, « l'échauffement de l'atmosphère consécutif à l'excès de gaz à effet de serre ». Donc là, c'est vraiment la thématique qui nous intéresse. Et la question qu'on vous pose, c'est « à votre avis, de quand date cette nouvelle qui évoque pour la toute première fois l'échauffement des températures en lien avec l'augmentation des gaz à effet de serre ? 1971, 1975 ou 1978 ? Alors, pendant que vous réfléchissez, ça donne aussi une idée. Pour remettre un peu dans le contexte historique, les premières conférences mondiales sur le climat se sont déroulées justement un peu après et qui ont donné lieu
après à ce qu'on connaît qui s'appelle le GIEC, c'est-à-dire le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, qui a été créé, lui, alors j'ai un trou de mémoire là, mais dans les années 90, on va dire, hein, oui, en 88 exactement. Donc ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que le thème des changements climatiques était plutôt chez quelques scientifiques un peu isolés, et le romancier a construit une nouvelle autour de ce thème-là qui semblait un petit peu farfelu, en tout cas de premier abord. Alors, 20 personnes, ça y est. Ah, tout ça y est, la chute libre de l'audience. Il suffit que je dise alors, et là, ça clique. Alors, c'est pas mal. Ah, voilà. Alors, donc, il faut dire la bonne réponse. Et oui, la bonne réponse, c'était bien 1971. Voilà, exactement. Donc, remis à l'histoire politique des changements climatiques, ça paraît particulièrement avant-gardiste. Et c'est vrai que quand on lit cette nouvelle, on se dit c'est vraiment de la science-fiction, quand on se remet dans le contexte, évidemment, de l'époque, parce que maintenant, ça paraît un peu désuet. Mais par contre, entre la nouvelle et la situation actuelle, il y a des parallèles à faire qui sont assez similaires. Et j'ajouterais que c'est quand même un an avant le fameux rapport Meadows, auquel on se référera encore quelques fois, en 1972, qu'on connaît aussi sous le nom de Halte à la croissance du Club de Rome, et qui est quand même une des premières très importantes alertes sur... C'est un des premiers rapports qui commence à montrer des courbes en évolution de façon exponentielle et qui pose la question qu'est-ce qu'il peut y avoir après l'exponentielle. Alors finalement, ça nous pose la question un petit peu la science-fiction entre optimisme et pessimisme. Que doit-on choisir ? Que doit-on choisir pour lire durant l'été ? Donc ça, c'est quand même la deuxième grande idée avec le fait que la science-fiction, elle est très quand même liée aux périodes dans lesquelles elle a été créée, quel que soit le type d'œuvre. Et puis, il y a quand même deux grandes familles, c'est important de le rappeler, les œuvres qui sont plutôt optimistes et les œuvres qui sont plutôt pessimistes. Donc, les œuvres optimistes, ce sont les utopies, qui nous montrent généralement un futur radieux, que l'homme pourra atteindre en suivant un chemin relativement linéaire, tracé par la science, le progrès. Et puis, du côté du pessimisme, c'est ce qu'on appelle les dystopies, avec un vocabulaire peut-être un petit peu moins connu, mais qui est une vision, du coup, pessimiste de l'avenir. Certains disent plutôt réaliste, là, je vous laisse juge, et qui préfigure des destins plus néfastes, des postures généralement très critiques de la société ou des valeurs contemporaines, au passage. Et dans ce cas, la science, qui est toujours en progression, est quand même plutôt vue comme une cause de perte pour l'humanité. Donc, je vais passer sur... On ne rentre pas trop dans les approfondissements, mais là, je fais une petite parenthèse, parce que c'est quand même un peu binaire, utopie, dystopie. Donc, il y a certains auteurs, comme Yannick Rampala, qui veulent dépasser ce clivage un peu simpliste et proposent de nouveaux concepts. On ne va pas rentrer ici dans le détail, mais il nous propose le concept de prototopie, qui là est plutôt l'idée que la science-fiction est avant tout une ouverture sur des possibles, une vue comme une expérimentation, et pour laisser un petit peu de côté cet aspect positif-négatif. Mais bon, c'est surtout une occasion de faire un clin d'œil à cet auteur, ce chercheur en sciences politiques qui travaille beaucoup sur le sujet de la science-fiction et qu'on a largement lu. Donc c'était important de le signaler au passage. Oui, il y a aussi maintenant, c'est vrai qu'on est passé au-delà des visions purement utopiques à 100%, purement dystopiques à 100%, avec parfois des visions qui s'entrecoupent, c'est-à-dire il peut y avoir des catastrophes, donc très dystopique, mais après la catastrophe, il peut y avoir des fins heureuses, entre guillemets, utopiques. Et pour illustrer cette question de l'utopie contre la dystopie, on a une petite question qui nous permet d'évoquer deux romans qui ont quand même vraiment beaucoup marqué notre société. 1984 de George Orwell, dont la principale figure est Big Brother, qui est vraiment devenue la figure métaphorique du régime policier et totalitaire, avec une société de la surveillance, la réduction des libertés. Donc là, maintenant, on fait très souvent le parallèle avec les big data.
une petite parenthèse pour dire qu'il y a un chercheur de notre UMR qui s'appelle Francis Jory Dibéry qui évoquera ces sujets, je crois, dimanche après-midi, ici, sur l'individu face au big data. Et puis, le deuxième ouvrage, c'est Le meilleur des mondes, hein, qui pousse vraiment à son paroxysme les questions d'eugénisme. Et ce roman, il dénonce les méfaits de l'utopie, justement, des risques d'une société qui se veut parfaite, mais qui s'avère totalement assujettissante et qui montre une société monde profondément anesthésiée par le progrès scientifique et technique en l'an 600 après Ford. Il y a d'autres ouvrages dans la même lignée. Donc, notre question, c'est lequel de ces deux univers vous rebute le plus ? Donc là, c'est pareil. Oui, alors pour ceux qui n'ont lu ni l'un ni l'autre, c'est un peu embêtant, mais tu viens de résumer exactement. Hein, c'est-à-dire, en gros, Le meilleur des mondes, c'est un univers un peu futuriste où tout se passe bien en théorie, on va dire, de manière comme ça, quoi. Mais en fait, en réalité, les humains sont devenus quasiment des robots eux-mêmes parce qu'ils sont anesthésiés par une sorte de bonheur artificiel. Et dans l'autre, dans 1984, les humains sont tout à fait libres, on va dire, de leur choix, mais seulement dans leur tête parce qu'ils sont en permanence surveillés. Oui. Et dans la même lignée, il y a aussi Un bonheur insoutenable, hein, qui date des années 70, d'Ira Levin, qui est aussi un très grand classique. Alors, est-ce que ça inspire un petit peu ? Alors, on y est presque. Les retardataires se hâtent. Donc, lequel de ces deux univers vous rebute le plus ? Donc, choix horrible ou choix très horrible ? Alors, il y a 60% qui sont plus rebutés par 1984, effectivement. Bon, même le livre a une tonalité quand même assez déprimante par rapport au meilleur des mondes. Et il y a 40% qui sont plus sur le meilleur des mondes, quitte à choisir une dystopie, on va dire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le parallèle à faire entre ces deux livres qui ont été écrits, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les années 30 et 40, avec la situation actuelle. Alors, par exemple, si on regarde Le meilleur des mondes, maintenant, alors dans Le meilleur des mondes, il faut retracer un petit peu dans le livre, dans Le meilleur des mondes, on ne peut pas se reproduire de manière naturelle, on va dire, et de manière choisie. C'est-à-dire qu'il y a cinq classes, il y a les alphas, les bêtas, etc. Et c'est une reproduction automatisée, on va dire, avec des classes sociales déjà prévues à l'avance, en gros. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, lors d'une fécondation in vitro, il est tout à fait légal d'aller prélever une cellule de l'embryon pour voir le code génétique de l'embryon et pour voir le sexe de l'embryon. Et les parents ont tout à fait le choix de garder ou pas la fécondation in vitro, même si elle a réussi. Donc, en gros, hein, pour faire court, on peut tout à fait choisir le sexe de son enfant aux États-Unis. Donc, ça rejoint quand même pas mal Le meilleur des mondes. Et dans 1984, alors tu l'as dit tout à l'heure, en fait, Big Brother, dans 1984, c'est une sorte de, c'est pas trop défini, mais une sorte de robot qui surveille en permanence tout le monde, hein, jusqu'à limite regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos pensées. Bon, Big Brother, aujourd'hui, c'est Big Data, hein, c'est-à-dire qu'avec nos téléphones portables, avec nos cartes bancaires, avec quoi que ce soit, on est tout de suite repéré. Enfin, si quelqu'un veut savoir où vous êtes ce soir... il le saura de toute façon en utilisant le numérique. Donc on a vu deux points, que la science-fiction est le miroir de la société, et puis qu'il y a deux grandes tendances, l'optimisme ou le pessimisme, on va dire, dans les œuvres de fiction. Mais on en arrive à notre époque, qui est marquée par une véritable angoisse, on va dire, écologique, et une tendance lourde à la dystopie. Donc les récits utopiques sont beaucoup plus rares depuis quelques années. Les auteurs ont vraiment du mal à projeter des avenirs radieux dans le contexte dans lequel on est, de toutes ces courbes qui montent et qui font qu'on a... Donc ça existe, on en a trouvé quelques-uns, vous en faites pas, à la fin il y aura un petit côté positif, mais c'est vrai qu'on va plutôt être dans des visions un petit peu sombres parfois de l'avenir. Donc notre époque, elle est marquée par cette prise de conscience des finitudes des ressources, des inquiétudes liées au changement climatique et cette idée de responsabilité collective avec un impact planétaire et une imbrication très forte des problématiques les unes dans les autres.
Donc ces éléments, ils se sont imposés dans notre imaginaire collectif, entre autres par la production de films grand public, d'où des récits de sociétés post-technologiques ou post-ressources naturelles, et aussi de plus en plus d'histoires qui relatent une catastrophe écologique. Alors c'est ce qu'on a appelé, Christian Schellbourg a appelé ça les éco-fictions. Dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de climate fiction ou de SF climatique. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est né, on va dire, dans les années 2000-2010. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de la peur du climat, en fait, parce que le climat, finalement, reste une dimension de la nature, si on peut appeler ça comme ça, c'est une dimension que l'homme a du mal à maîtriser, finalement. Et en plus, c'est une dimension tout à fait symbolique parce que c'est une dimension qui est en haut. Donc par rapport à tout ce qui est l'implication religieuse et tout ce qui est symbole religieux, le climat représente quelque chose qui va punir, qui vient du haut vers le bas, etc. Et on le retrouve effectivement dans de nombreux ouvrages, que ce soit ouvrages littéraires ou bien des œuvres cinématographiques, comme étant le mal quasiment, le méchant, c'est le climat. Oui, et pour se mettre dans l'ambiance, on vous a donc choisi 5 films. Alors, il a fallu choisir, mais on a privilégié les super productions qui font référence au climat et qui ont touché un maximum de spectateurs, on va dire, et qui mettent en scène des événements météorologiques extrêmes ou des mondes post-catastrophes. Les auteurs n'ont pas eu à aller chercher très loin les sources d'inspiration. Hein, tout était dans les rapports du GIEC. Il n'y avait plus qu'à tirer sur la ficelle. Et notre question est, vas-y Guillaume. Donc c'est un des thèmes suivants n'est pas traité dans les films ci-dessus. Donc les films ci-dessus, c'est Wall-E, Waterworld, Interstellar, Le jour d'après et Geostorm. Donc quel est le thème qui n'est pas traité dans les films ci-dessus? A, les déchets. B, la sécheresse. C, le déluge. D, la glaciation ou les glaciations. E, la tempête. Évidemment, il y a un piège. Et on ne souffle pas à son voisin. Alors, est-ce que cette question inspire ? Oui, ça inspire. Oui, ça inspire. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des spectateurs aussi des climate fiction. Oui. Dans la salle. Bon, c'est vrai que Interstellar, je pense qu'il a bien marché au cinéma. Waterworld, oui. Là, on retombe dans les années 90. Plus ancien. C'est un peu plus ancien. Wall-E, ça a été quand même un succès. On a essayé de choisir plutôt des succès. Le jour d'après, bon, on peut le dire franchement, c'est un navet, mais ça a été un succès quand même au point de vue cinéma. Et Geostorm, il est un peu moins connu, par contre. Oui. Alors, allons-y. Tout le monde ne s'est pas prononcé, mais on y va. Alors, voilà. La bonne réponse était le déluge. Alors, 48% ont répondu à la sécheresse. La sécheresse, en fait, on retrouve dans Interstellar. C'est ce qui va pousser un petit peu le héros à avoir la mission plutôt d'aller explorer des exoplanètes et voir si la vie est possible sur d'autres terres, en gros, de déménager l'humanité ailleurs. Et parce que la sécheresse a entraîné une succession de famines, etc., etc. Voilà. La Terre devient inhabitable, il faut aller explorer un peu les autres mondes. Voilà, et donc le déluge ne fait pas partie du jour d'après, puisque le jour d'après, c'est une question climatique, mais à l'inverse, ce n'est pas un réchauffement, mais bien une glaciation, et donc c'est le froid qui va poursuivre les êtres humains, bon, c'est tout à fait surréaliste. Et puis dans Geostorm, c'est une série de satellites qui permettent de contrôler le climat. Donc les humains sont bien heureux, mais évidemment, il y a un problème dans ce réseau. Et à un moment donné, les satellites ne marchent plus. Et donc le climat, il y a des événements climatiques extrêmes, particulièrement violents, qui touchent la Terre de manière très, très aléatoire. Voilà. Voilà. 30% d'entre vous ont répondu les déchets, mais les déchets, c'est le sujet de Wall-E, qui est un petit robot qui nettoie la Terre, dont les hommes que les hommes ont quitté et qui vivent dans l'espace. On y reviendra aussi. Et Waterworld, c'est justement le film qui pouvait être le piège, parce qu'on peut penser que c'est un déluge qui aboutit à cette planète
bleu. Et en fait, non, là, c'est effectivement aussi, je ne me souviens plus la cause première, c'est mais c'est climat. La fonte des oui. glaces, la cause initiale, je ne me souviens plus très bien. Oui. C'est un des films les plus précurseurs du changement climatique, oui. en tout cas, puisqu'il il est vraiment des années 90, et donc c'est le climat, le réchauffement climatique qui entraîne la fonte totale des glaces, des pôles, et oui. qui fait que la Terre devient une mer continue. Alors, ce qui est intéressant, c'est on peut essayer de comparer un peu toutes les œuvres de fiction climatique et se dire bon, ben, comment écrire une bonne fiction climatique. Bon, on a repéré quatre éléments et on a essayé de faire une comparaison entre fiction climatique et la réalité. Alors, pour faire une bonne fiction climatique, hein, il y a peut-être des amateurs écrivains qui voudraient se lancer là-dedans. Tout d'abord, il faut une échelle de temps raccourcie. Bon, les changements climatiques, c'est trop long, il va falloir raccourcir tout ça. On le voit dans le jour d'après, hein, c'est-à-dire qu'on voit des événements brutaux qui se succèdent, etc., etc. Un film, ça dure une heure et demie, deux heures, donc forcément, il faut raccourcir à tout prix la problématique en une heure et demie, deux heures. Ensuite, il y a une homogénéisation, c'est-à-dire qu'en tout point de la planète, hein, l'action souvent se situe, je ne sais pas, ça peut être à New York, etc., mais en tout point de la planète, l'action est la même, enfin la situation est la même. C'est-à-dire qu'il y a une généralisation totale, il y a une absence totale de contextes qui peuvent être différents, qui peuvent être aussi gérés différents, mais en tout cas, voilà, il y a une uniformisation tout à fait globale. Ensuite, bon, bah, il y a toujours le héros solitaire qui va sauver entièrement la planète. C'est souvent d'ailleurs un homme plutôt qu'une femme. Et à lui tout seul, avec ses petits bras ou sa petite intelligence, il arrive généralement à la fin du film à faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Et puis, surtout, il s'appuie sur, la plupart du temps, un miracle technologique. La technologie, ça, c'est souvent la solution qui va permettre... d'effacer tous les problèmes, d'aller au-delà des événements et des situations un peu difficiles. Alors, forcément, par rapport à la réalité, c'est absolument l'inverse. Par exemple, les changements climatiques, l'échelle de temps raccourcie, les médias nous montrent très régulièrement les événements extrêmes, c'est-à-dire les inondations qui causent évidemment des dégâts humains ou des dégâts matériels très importants, mais la plus grande dangerosité, je dirais, des changements climatiques, ce sont justement les tendances invisibles, c'est-à-dire que les glaciers fondent tous les jours. Les glaciers ne fondent pas d'un coup comme ça de 3,50 m, non, ils fondent tous les jours, mais... En prenant des références temporelles, on s'aperçoit, on va dire, que le glacier a fondu de temps à temps si on prend deux dates et qu'on en mesure l'effet. Donc ce sont surtout les tendances plutôt que des événements. Ensuite, l'homogénéisation, c'est très difficile parce que la Terre, c'est quand même grand. Hein, même si l'humain arrive à impacter l'ensemble de la planète, les contextes sont totalement différents. Et il est quand même difficile de généraliser une situation. Et même si le climat touche en tout point le globe, il y a des situations ou des contextes privilégiés par rapport à d'autres. Par exemple, les changements climatiques se font beaucoup plus ressentir au pôle qu'aux tropiques. Au pôle, la fonte des glaces altère énormément les peuplades qui vivent encore là-bas, par exemple, et à la latitude des tropiques, on ressent à peine les variations climatiques. Ensuite, le héros solitaire, bon, bah, ça c'est vraiment de la pure fiction, parce que surtout concernant les changements climatiques, on sait très bien que le problème est collectif, et donc la solution ne peut être que collective. Donc l'action collective, c'est vraiment la solution qui peut nous sortir de là, et c'est pour ça que les scientifiques, les politiques, les associations enchaînent un petit peu les actions de sensibilisation, parce qu'il faut entraîner le plus grand nombre pour arriver à changer les choses. Et ensuite, le miracle technologique s'est un peu éteint, on va dire, ces 20-30 dernières années, parce qu'on s'aperçoit des effets secondaires de la technologie. Et la plupart du temps, les apports de la technologie ne durent pas. Elles sont sur le court terme et sur le long terme. On s'aperçoit que finalement, il y a peut-être plus d'effets secondaires que d'apports aussi bien pour la vie quotidienne ou des choses comme ça. Alors, maintenant, on va rentrer dans différents focus sur des thématiques, et en particulier, quel avenir pour la nature ? Alors, vous remarquerez qu'on a pris garde de mettre des guillemets autour du terme de nature, parce qu'on ne sait plus très bien comment
oui. la définir. Et je te laisse dire quelques mots là-dessus. Oui, c'est un gros débat dans la science, évidemment, parce que l'humain est tout à fait naturel, entre guillemets. Donc la nature, pour dire nature, nous, on préfère dire le monde vivant non humain. Mais bon, ça fait déjà 4 mots, donc on a employé ici la nature. Mais bien évidemment, on veut parler de ce qui n'est pas humain, finalement, qui peut être aussi bien animé que non animé, les végétaux que les animaux. Et donc ce vivant, il est devenu manipulable, hein, jusque dans son patrimoine génétique. Et même les régions les plus reculées du monde subissent de manière plus ou moins indirecte l'influence de l'homme. Donc la nature, entre guillemets, sauvage ou peu impactée, n'a plus sa place que dans des espaces très très limités. Donc ça, c'est devenu commun pour des milliers de personnes d'aller chercher la nature sous une forme simulée, marchandisée, réaménagée dans des parcs récréatifs. Donc, pour que même dans les espaces qui paraissent préservés et qui semblent naturels, on est en fait dans quelque chose qui est plus ou moins jardiné. Donc, l'avenir de ce qui est purement naturel semble assez compliqué à envisager. Il n'empêche qu'il reste de la nature, entre guillemets. Donc, quel peut être l'avenir de cette nature ? Alors, on vous dresse un panel, là aussi, un petit peu, voilà, avec quelques choix. Il faudrait beaucoup plus de temps et de diversité. Et on va commencer par un ouvrage de René Barjavel qui s'appelle Le voyageur imprudent. Et là, je vais vous lire un court extrait de ce livre qui est l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps et qui se propulse à un moment donné 100 000 ans en avant, 100 000 ans dans le futur. Donc là, on fait vraiment un bond gigantesque pour aller voir ce que deviendra l'humanité. Et voilà ce qu'il a vu. Les montagnes ont été rasées, les océans comblés, les fleuves enterrés, les terres nivelées. Au circuit extérieur de l'eau, pluie, rivière, mer, nuages, pluie, a succédé une circulation interne. Les ruisseaux et les fleuves courent à l'intérieur du globe en un mouvement perpétuel entretenu par les différences de température du sous-sol. Des canaux creusés de main d'homme irriguent par-dessous les prés et les vergers, donnent à l'air, par l'intermédiaire des plantes, l'humidité nécessaire à la vie, transporte la chaleur du feu central vers les pôles et l'hémisphère menacé par l'hiver. Ainsi se trouve abolie cette inégalité naturelle qui faisait bénéficier un Européen du Sud d'un climat tempéré, alors que son frère Esquimau, né égal endroit, subissait les rigueurs du froid. Notre terre n'est plus reconnaissable, toute plate, toute tiède, plus d'orages, plus de cascades, plus de montagnes altières, plus de coteaux modérés, la plaine partout, le soleil toujours. L'homme nouveau ne pratique pas la culture à proprement parler, il s'est contenté d'exterminer tous les végétaux inutiles ou nuisibles. Les mammifères ont été réduits à 2 espèces, les vaches et les porcs, devenus herbivores. Donc voilà le paysage et la vision du futur que donne Barjavel dans son Voyageur imprudent, qui est assez impressionnante, même si j'ai coupé un petit peu dans le texte, hein, c'était déjà assez long. On a aussi dans l'âge de cristal l'image qui est en bas et qui représente une ville avec un plan d'eau. Est un film des années 70 qui se place dans un monde post-apocalyptique où les humains vivent dans des villes bulles et leur mode de vie qui est géré par des ordinateurs et des automatismes est très agréable. Il y a d'autres aspects dans l'histoire sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Et ces villes bulles font une large part à la nature, vous voyez, mais c'est une nature complètement contrôlée. Au passage, on peut voir que les images de ce film ressemblent assez aux perspectives actuelles. Dans Avatar, qu'on vous a sélectionné, là, on a une nature préservée. On suppose qu'elle est primitive. Toutes les parties de cette nature, même les humanoïdes qui y vivent, sont connectées entre eux. Mais par contre, c'est pas sur Terre. Et dans Valérian et la cité aux 1000 planètes... C'est, donc Avatar, c'était l'image centrale, hein, et puis Valérian, c'est les Bahamas, on va dire. Là, c'est un moment de repos et de détente pour les deux héros qui rentrent de mission, je pense, dans une des pièces de leur vaisseau. Et cette pièce simule un paysage idyllique. Là, on est dans une nature totalement virtuelle et récréative pour le repos des personnes. Donc, notre question,
Oui, alors du coup, la question, ça nous a amené à réfléchir sur quel type de monde vous sentiriez-vous le mieux. Alors, par rapport à ce que nous a décrit Gaël, est-ce que c'est A, un monde aménagé à la Barjavel, c'est-à-dire ce que tu as lu tout à l'heure, hein, un monde plat, tiède, plus de problèmes de météo, hein, finalement, plus besoin de prendre son parapluie. Et puis, réponse B, vraiment le paradis, sauf que ce n'est pas le paradis terrestre, c'est le paradis hors terrestre, hein, c'est-à-dire qu'il faut quitter la Terre. Le C, c'est tout ce qui est virtuel, finalement, un monde virtuel, un monde parfait mais virtuel, ou des sanctuarisés, c'est-à-dire on vit à l'intérieur de bulles où tout est aménagé, tout est automatisé, il y a de la nature mais contrôlée, et en dehors de ces bulles, c'est un peu le chaos, on ne sait pas très bien. Alors on vous laisse un petit peu réfléchir, parce que ce n'est pas un choix facile, c'est sûr. Non, on vous a posé des questions au début faciles, là ça devient un petit peu plus compliqué et au fur et à mesure ce sont des positionnements tout à fait personnels, ça tombe bien parce que c'est anonyme, hein, personne ne saura votre réponse, donc il n'y a aucun problème, même nous, hein, même nous. Alors il y a quelques réponses qui arrivent encore, on va laisser quelques secondes de plus pour se positionner. Et voilà. Ah, hors la Terre. Ah, ben ça, c'est intéressant, justement. C'est très intéressant parce qu'on va, aborder la question tout à l'heure. Et donc, c'est surtout ce qui a inspiré, voilà. La grande majorité souhaiterait un monde paradisiaque, mais pas terrestre, qui se situerait en dehors de la planète. Il faut dire que le monde d'Avatar était particulièrement oui. Beau. Oui, c'était très réussi, effectivement. Alors ce sentiment que la nature n'existe plus réellement au sens entier du terme laisse aussi une place à des peurs ancestrales axées sur la vengeance entre guillemets de la nature pour tout le mal que l'homme lui fait subir. Donc cette revanche, cette vengeance entre guillemets s'explique dans les récits par des boucles de rétroaction plus ou moins complexes. Parfois interprétée comme la mise en place de mécanismes de protection, de défense de la nature, parfois aussi liée à l'intelligence de la nature, qui serait dotée d'une volonté propre, et de se débarrasser de l'homme, qui est vu comme un parasite, un cancer, pour retrouver une harmonie sans l'humanité. Donc là, on a quelques exemples dans Nausicaa, La Vallée du Vent, qui est un film de Hayao Miyazaki. Là, il y a une princesse qui tente de protéger sa vallée contre une forêt toxique, qui ne cesse de progresser. Dans Vermine, qui sont les deux images qui sont sur votre droite, là, on est sur un autre type de médium. Là, c'est un jeu vidéo. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas non plus fait de grandes digressions là-dessus, mais c'est vrai que la SF se décline sur de très nombreux supports et c'est très riche dans le monde du jeu vidéo. Donc là, ce qui était intéressant dans le scénario qui est mis en place, c'est que la crise écologique induite par les comportements humains a entraîné vraiment une grosse modification entre les espèces. C'est-à-dire que celles qui étaient considérés de par leur nombre limité ou de leur taille négligeable, comme les insectes ou les rats, évoluent de manière exponentielle. Elles deviennent beaucoup plus grosses, ont leurs propres schémas sociaux et deviennent dominantes sur Terre. Les humains, eux, deviennent une espèce mineure qui tente de survivre, de vivoter, placée en bas de la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est une autre vision de ce qui pourrait arriver. Et le dernier éclairage sur ce thème, c'est celui du film Phénomène, qui est original parce que dans les films de nature et de catastrophe, parce qu'au milieu des villes, les hommes commencent à se comporter bizarrement. Ils semblent en transe et en quelques secondes, ensuite, se suicident. Donc on comprend ensuite petit à petit que c'est la nature, les arbres, qui lâchent dans l'air des neurotoxines qui dérèglent le comportement des hommes et qui se vengent, on va dire. Voilà. Donc on a une nature qui est plus complexe que ce qu'on veut croire, mais la nature est quand même plus que ce grand mécanisme. Elle n'est pas encore ce grand automate manipulable.
Et on glisse là maintenant vers un nouveau sujet qui est celui de la géo-ingénierie. Le plus souvent, on présente comme un recours possible la géo-ingénierie, qui est quand même le fantasme d'une planète qui serait comme une machine, d'où le terme de technonature. Et pour éviter les effets perturbateurs des évolutions climatiques globales, l'ambition est d'intervenir directement et à grande échelle dans les processus bio-géo-physico-chimiques de la Terre. On verra lesquels. À ce courant d'idées s'ajoute la conception gestionnaire appliquée à tout ce qui pouvait auparavant révéler du naturel. Donc la biosphère, ces systèmes écologiques sont appareillés, numérisés, modélisés, et ils font l'objet de l'ébauche d'une gestion en termes de ressources. On parle de capital naturel, de services écosystémiques que le développement d'une instrumentalisation scientifique rend possible. Donc, il pourrait faire l'objet d'une maintenance à l'image de toute autre machine. Et on pourrait réparer la planète, réparer son climat ou tout écosystème abîmé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui réduirait donc les risques du changement climatique. La question qu'on va vous poser à ce sujet est la suivante. Donc, parmi ces propositions, laquelle n'est pas étudiée par les scientifiques ? Alors, réponse A, fertiliser les océans. Réponse B, libérer des particules dans la haute atmosphère. Réponse C, resaliniser le Gulf Stream. Réponse D, installer des ombrelles spatiales. Alors, laquelle n'est pas étudiée par les scientifiques ? Ça veut dire qu'il y en a trois qui sont étudiées très sérieusement par les scientifiques. Et donc, dans cette idée de géo-ingénierie, on retrouve cette idée de maîtrise par l'homme de tous les composants dits naturels, on va dire, hein, les cycles biogéochimiques ou des choses comme ça, les plantes, la croissance des plantes, le choix des plantes, etc., jusqu'au climat. Et pour vous aider un petit peu, donc fertiliser les océans, c'est pour augmenter les capacités de photosynthèse du phytoplancton. Libérer les particules dans la haute atmosphère, c'est pour modifier le rayonnement solaire, pour qu'il arrive un petit peu moins fort sur la planète. Resaliniser le Gulf Stream, c'est dans l'idée de stabiliser le courant. Et installer des ombrelles spatiales, c'est pour protéger là aussi la Terre des rayonnements solaires. Donc, on attend quelques réponses encore. Et donc, il y en a une qui n'est pas... Voilà. Qui est de la science-fiction. Il y en a une qui est de la science-fiction, mais c'est ça, je me répète, il y en a trois qui ne sont pas du tout de la science-fiction. Oui, c'est celle-là. Vous êtes donc, resaliniser le Gulf Stream, effectivement, c'est de la science-fiction. Par contre, effectivement, il y a des chercheurs de la NASA qui ont proposé d'installer des ombrelles spatiales dans l'espace, hein, des sortes de parasoleils, finalement, pour limiter le rayonnement jusqu'à la Terre et essayer de limiter le réchauffement planétaire. Et c'était pareil pour les deux premières solutions. Donc voilà, il peut y avoir des solutions qui peuvent nous paraître complètement science-fiction, mais qui sont particulièrement réfléchies au sein de milieux scientifiques particulièrement sérieux. Oui, c'est justement sur ce sujet que peut-être on touche le mieux qu'il peut y avoir entre la science-fiction et les visions qu'on projette de l'avenir et le lien avec certaines réalités, certains projets de recherche qui ont besoin, dans l'imaginaire collectif, d'apparaître comme plausible, possible. Et quand on est formaté par une série de films ou de livres qui donnent l'impression de banaliser certains sujets, de suite, ça nous semble plus acceptable, plus normal, plus envisageable. Et donc là, le lien, il est assez ténu et très intéressant. Et c'est sur ces histoires de géo-ingénierie, là, en ce moment, qu'il y a sans doute à la fois un risque ou une opportunité, suivant comment on voit les choses, mais de faire évoluer les mentalités en parallèle de programmes de recherche réels.
Ce qui n'est pas facile parce que ça pousse aussi la limite des hommes à se dire, bon, nous avons atteint des prouesses technologiques qui ont amélioré, on va dire, notre quotidien, etc. Est-ce que nous avons atteint ces vraies limites ou pas? Ça, c'est la question. Et donc, par rapport aux questions qu'on vous a posées et aux réponses que vous avez données, l'avenir est-il dans l'espace? Alors, ce qui est intéressant, c'est que régulièrement dans les médias, d'ailleurs, je crois que cette semaine, il y avait une nouvelle comme ça, ou la semaine dernière, régulièrement, il y a la nouvelle d'avoir découvert une exoplanète, c'est-à-dire une planète située en dehors du système solaire, qui présenterait des conditions pouvant abriter la vie. Évidemment, on ne peut absolument pas voir cette planète, même avec tous les télescopes possibles, mais ce sont des calculs purement théoriques et statistiques qui feraient qu'avec telle ou telle distance par rapport à telle ou telle étoile, telle forme, etc., potentiellement, ça pourrait abriter la vie. Alors, ce fantasme continue, en fait, tous les jours, mais il faut se rendre à l'évidence quand même, c'est que, par exemple, l'exoplanète qui, théoriquement, pourrait abriter la vie la plus proche de la Terre qu'on a découvert ces dernières années est située, par exemple, à 4 années-lumière. Avec la technologie actuelle, pour atteindre cette planète, il faudrait 19 000 ans. Donc, bon... on en est loin, donc finalement on se rapproche, hein, et donc le fantasme est plutôt resté sur Mars, qui est en fait la planète la plus près de la Terre, et avec ce fantasme de pouvoir la terraformer. Terraformer, c'est-à-dire la rendre habitable en changeant ses conditions, notamment atmosphériques, etc. Alors, ce fantasme a été l'objet de 42 films entre 1918 et 2015. Donc en haut, vous en voyez quelques-uns, les affiches de films. Et en bas, vous voyez très sérieusement tout ce qu'a prévu la NASA pour aller sur Mars, c'est-à-dire d'essayer d'envoyer à la fois des robots, à la fois des satellites d'observation, en tout cas plein de choses. Il y a énormément d'argent qui sont mis là-dedans pour... essayer de voir est-ce que l'homme peut aller sur Mars et qu'est-ce qu'il y ferait, etc., etc. Ce qui nous amène à une question. Comment peut-on différencier la fiction de la réalité? Alors, par exemple, cette image est-elle pour vous A, de la fiction, ou est-elle B, une réalité? On y voit un petit peu des sortes de capsules posées sur un sol dont on devine c'est le sol martien. Il y a un petit robot, etc. Et on voit, si on regarde bien, on voit une sorte de cosmonaute qui marche sur Mars. Alors, cette image est-elle de la fiction ou est-elle de la réalité? Sachant que là, on est quand même sur des vues d'artistes qui peuvent éventuellement représenter... Tout à fait, tout à fait. On s'entend quand on dit réalité, ce n'est pas une photo qu'on a prise. Hein. On est tout à fait d'accord, mais c'est une vision d'artiste qui peut présumer un projet totalement sérieux. Voilà. Alors... c'est effectivement une réalité. Et donc, si on peut passer la diapo d'après, c'est pour vous montrer que c'est un projet mené par un millionnaire qui s'appelle Mars One. Il y a plusieurs projets, bon, on a choisi celui-là, et dont le slogan, c'est « The next giant leap for mankind », c'est-à-dire le prochain grand pas de l'humanité, sachant que le premier humain, quand il est allé sur la Lune, a dit « un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Voilà. Alors, le prochain grand pas pour l'humanité, ça serait d'aller sur Mars. Alors, ce projet Mars One a une particularité, c'est qu'il offre, je crois qu'il y a 4 passagers qui seraient sélectionnés pour être envoyés sur Mars, et puis quelques années plus tard, 4 autres qui seraient envoyés également. Et avant d'envoyer les passagers, on enverrait ces capsules par des robots, et les humains qui seraient envoyés seraient en fait des techniciens qui auraient à aménager ces capsules de manière à accueillir un peu plus, etc. Alors, ils ont commencé la sélection des volontaires, c'est ça qui est étonnant, à travers le monde, il y a énormément de volontaires qui se sont présentés, et en fait, ce qu'ils offrent, c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour, puisque la difficulté, c'est d'amener toute l'énergie avec soi sur Mars pour pouvoir refaire décoller une fusée en direction de la Terre. Et malgré ça, il y a énormément de volontaires qui veulent être des pionniers sur Mars. Alors du coup, ça nous amène sur une question. Qu'est-ce que vous aimeriez possible, quand on se laisse un petit peu aller? Est-ce que ça serait de terraformer une planète non habitable initialement, telle que Mars par exemple? Est-ce que ça serait plutôt de trouver
une nouvelle planète habitable, sachant qu'il faudrait quand même y aller donc avec une sorte de voyage. Hein, on peut, il y a beaucoup de films de science-fiction qui parlent d'hibernation ou de quelque chose comme ça, mais bon, ça serait possible dans l'imaginaire. Ou est-ce que ça serait de naviguer dans l'espace dans des vaisseaux ou des stations autonomes à l'infini, comme par exemple le dessin animé, je ne sais pas si vous avez vu, Ulysse 31, qui en fait, il essaye de retrouver le chemin de la Terre et il vit sur son vaisseau quasiment dans l'infini. Il est autonome hein, d'ailleurs, il est complètement autonome. Ou pendant que certains réfléchissent encore, dans Silent Running, qui est un film des années 70 qu'on n'a pas évoqué ici, mais qui est une sphère qui préserve un bout de nature terrestre et qui finit par errer dans l'espace, piloté par un robot. Tous les humains ont disparu. C'est assez... ça pose question un petit peu sur les projets qui peuvent être imaginés de sauvegarde. Donc... Alors, les quel résultats. A été le choix? Là, ça serait de trouver une nouvelle planète habitable. Donc, comme je le disais, avec toutes les difficultés que ça peut qu'on peut avoir hein, pour amener technologiquement parlant, je dirais, un humain sur une autre planète. Alors, ce qui est intéressant dans la réponse C, naviguer dans l'espace dans des vaisseaux ou stations autonomes, c'est que, en fait, quand on y réfléchit, la Terre peut être vue comme un vaisseau finalement spatial dans lequel nous sommes tous et qui navigue. Qui navigue comme ça dans l'infini, dans l'espace. Alors, si on ne peut pas quitter la Terre, en tout cas à présent techniquement, qu'est-ce qui se passerait si on y reste et si on extrapolait les tendances des courbes jusqu'aux catastrophes ou à la catastrophe? C'est le thème qu'ils appellent le post-apocalypse ou le thème de l'effondrement. Il y a une émergence d'ailleurs de ce thème ou de ces discussions autour de ça, aussi bien dans les œuvres, mais aussi bien dans les discussions scientifique en ce moment, sous le terme effondrement. Et ce sous-genre, donc, nous on l'appelle plutôt post-apocalypse, et d'abord il est mis en scène à travers des causes tout à fait diversifiées. Alors, quelle que soit la cause, hein, ça peut être un virus, ça peut être une catastrophe climatique, nucléaire, une invasion extraterrestre, etc. Ça peut être des zombies, par exemple, la série The Walking Dead fait un tabac. Et ça peut être aussi des conséquences de conflits. Ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est pas vraiment la cause, hein, que ce soit les zombies ou le virus. Bon, par contre, ce qui est très intéressant, c'est comment les réalisateurs ont réussi à mettre en scène les survivants. Comment ils vont se reconstruire, quel type de gouvernance ils vont choisir, est-ce qu'ils vont choisir d'être toujours dans une démocratie, est-ce que ça va être une personne qui va être plus forte physiquement, qui va s'imposer et imposer donc ses vues, est-ce qu'il va y avoir des relations, est-ce qu'il va y avoir entre les survivants, est-ce que comment on va réacquérir les connaissances pour être autonome alimentaire, etc., etc. Voilà, sur la survie alimentaire, le savoir-faire, etc. Donc du coup, ça nous amène à cette question. Qui est peut-être une des pires. Qui est une des pires, effectivement. En cas, on va dire, de catastrophe, on se retrouve là dans cette salle, tous des survivants, que reconstruire en priorité? Est-ce que ça serait un système de gouvernance démocratique où tout le monde aurait sa place, sa liberté d'expression? Est-ce que ça serait avant tout une survie alimentaire de qualité? On précise de qualité, on évacue le cannibalisme, évidemment. De s'assurer une sécurité physique et psychologique, hein, donc éviter de retomber dans des schémas d'exploitation humains. Est-ce que ça serait de reconstruire une solidarité et des liens sociaux forts pour essayer de reconstruire ensemble l'union fait la force, comme on dit? Ou est-ce que c'est de reconstruire un système commercial fonctionnel avec d'autres poches de survivants, par exemple la salle d'à côté, et d'essayer d'arriver à des liens commerciaux? Alors, comment vous positionnez-vous par rapport à cette question, qui est une question un petit peu piège, mais qui permet aussi de réfléchir un petit peu, hein, quelle serait cette priorité en cas de catastrophe? J'entends que ça discute, là, droite à gauche et tout. Ça débat, si ça se trouve, ça débat. Et ça se décide à peu près. Allez, c'est bon. Alors, une solidarité et des liens sociaux forts. Alors ça, c'est très intéressant quand même, parce que la moitié a répondu ça.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il me semble que dans d'autres salles, ce n'est pas ce qui est sorti. Non, tout à fait. Donc, ça diffère parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait cette conférence et à chaque fois, on a des réponses différentes. Et c'est vrai que je ne me souviens pas que ça soit aussi fort. Voilà. Oui. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça donne à réfléchir puisque l'humain, effectivement, même si on a une tendance actuelle dans notre société, on va dire occidentale, à s'isoler de plus en plus, à être moins dans le collectif, etc., etc., il n'en reste pas moins que les êtres humains ont un caractère sociaux très fort et donc ça se reflète ici et effectivement ça peut être une des dimensions qui peut être qui peut amener à un succès de survie pour une population de survivants. Donc on a une salle solidaire, c'est très bien. On a une salle tout à fait solidaire, oui. Alors la raréfaction des ressources va-t-elle supposer des formes de sobriété collective ? Quelle serait la version future des tickets de rationnement ? Donc l'adaptation, elle est généralement vue comme un processus de sacrifice à consentir. On ne peut plus continuer comme aujourd'hui. Et donc la technologie peut servir de refuge un petit peu pour ceux qui espèrent pouvoir garder certains avantages. Mais, et ceux qui espèrent que l'avenir de l'humanité se joue dans les laboratoires de recherche. On voit aussi arriver des propositions de manipulation du génome humain pour faciliter l'adaptation au changement climatique, comme réduire la taille des humains pour qu'ils soient moins consommateurs d'énergie, pour qu'ils réduisent leur impact, leur empreinte écologique, ou augmenter leur résistance à la chaleur, à la sécheresse. Et si l'habitabilité de la planète paraît se réduire, il peut y avoir la tentation de voir dans cette solution quelque chose de plus facile à mettre en œuvre finalement que la modification en géo-ingénierie de notre planète. On ne va pas rentrer dans trop de détails sur les offres qui sont proposées, mais là, on a des adaptations où on a des humains, comme dans Animals de Enki Bilal, où certains humains connectés peuvent se transformer en animaux. Dans Tous à Zanzibar, là, ça va être à nouveau l'eugénisme qui est la solution pour faire face à de très, très fortes densités. Dans L'âge de cristal qu'on a évoqué précédemment, en fait, les gens vivent très agréablement dans des villes très jolies. La contrepartie, c'est qu'ils sont... Ils sont invités à quitter la scène à 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a une grande cérémonie et tout le monde est tué à 30 ans pour faire place aux nouvelles générations. Donc voilà, c'est un prix à payer pour ce mode de vie agréable. Et dans Ciel brûlant de minuit, on a là, si je me souviens bien, un chercheur japonais qui cherche à permettre aux hommes de respirer une atmosphère complètement polluée. Donc, ce qui permet finalement d'éviter de se poser des questions sur comment dépolluer l'atmosphère. Donc, alors, s'adapter, oui, mais donc à quel prix ? Alors, pour vous, laquelle de ces solutions est absolument inacceptable ? Alors, c'est la question la plus horrible qu'on a à vous proposer ce soir, oui, hein, finalement. Donc, laquelle de ces solutions est absolument inacceptable ? A, le contrôle des naissances. B, la mort programmée. C, l'augmentation des densités de population. D, la manipulation du génome humain. Tout ça, évidemment, on le retrouve, comme tu le disais, Gaël, dans de nombreuses œuvres de science-fiction. Fort heureusement, ce n'est pas complètement débattu pour l'ensemble, mais c'est vrai que la situation actuelle pose souvent ce genre de questions. Souvent, d'ailleurs, les questions sont maladroitement posées et donc ça entraîne des débats un petit peu qui dérivent. Mais c'est ce que permet la science-fiction, c'est d'aller au-delà de ces émotions que ces débats peuvent créer et d'essayer d'imaginer, d'extrapoler sans pression, quoi. Alors, vous avez du mal à vous déterminer, ça se comprend. Mais... Ah, plus de micro, on va se l'échanger.
avoir les résultats. Donc, pour vous, la solution vraiment la plus inacceptable, c'est la mort programmée. Mais on voit que la manipulation du génome humain, c'est, voilà, peut-être que c'est faisable. Donc, je suis embêtée parce que peut-être que tu as envie de réagir. Je ne peux pas réagir. Ne peux pas réagir. Est-ce que vous pouvez nous aider là-haut, s'il vous plaît ? Une pile, quelque chose ? Oui, on va continuer. Mais la conclusion, c'est que pour être optimiste, quand même, s'adapter, c'est pas forcément vu. Il n'est pas obligatoire de voir ça comme un sacrifice. Ça... J'ai pas compris là. Oui. Bon, alors moi ça marche plus non plus. Si vous m'entendez ? Oui, d'accord. Non, si, ça y est. Donc l'idée, c'était que l'adaptation peut être aussi vue, pas seulement comme un sacrifice, mais comme l'occasion de revisiter nos modes de vie, nos valeurs sociétales. Et donc il y a aussi des adaptations qui sont dans ce registre, et heureusement. Et là, enfin, une petite bouffée d'oxygène, ça va être l'occasion de se pencher sur des visions plus positives de l'avenir. Et on vous l'a dit, hein, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un petit peu. Vous reconnaissez sans doute les images qui sont tirées de Avatar et de Valérian, qui reconnaît d'ailleurs la filiation avec ce... avec le grand frère Avatar, et qui mettent en scène des humanoïdes ultra sensibles et connectés à leur environnement, qui ne se voient pas comme séparés justement de la nature, mais comme en faisant partie intégrante. Donc le résultat d'une coévolution ou d'une séparation qui n'a jamais eu lieu, comme chez nous, on ne sait pas trop. Et on peut aussi faire le parallèle avec un petit peu les visions qu'ont du monde les peuples premiers chez nous. On peut faire cette petite... Donc ça, ce sont des visions positives. Et on aimerait vous proposer un panel de quelques films parmi lesquels, et ce n'est pas que des films, il y a La vague montante qui est justement une nouvelle. Ça marche bien. Qui est très particulière, qui a été éditée en 1955 par une auteure qui s'appelle Marion Zimmer Bradley, et qui imagine une société d'abondance frugale, comme on dit, soustraite à l'empire de la technologie. Je mets vraiment l'accent sur la date, 1955, c'était vraiment très, très novateur à l'époque de se poser ce genre de questions. Donc, très rapidement, pour brosser l'histoire, c'est l'histoire d'un équipage terrestre qui est parti pour une mission, qui revient sur Terre, mais 500 ans se sont écoulés. Et donc, ils s'attendent à trouver sur la Terre une technologie surdéveloppée, une humanité conquérante d'autres espaces d'autres planètes, et puis ils sont très, très déçus de trouver une terre semi-paysanne où le concept de nation n'existe plus, où il y a un fédéralisme et une autogestion dans des prises de décision, une science qui semble avoir disparu au profit d'une économie fondée sur la commune et l'agriculture, et puis le véritable progrès qui est vraiment celui de l'épanouissement humain. Donc ce sont des questions qu'on se pose maintenant et qui ont été montrées dans cette nouvelle, voilà, il y a je ne sais pas combien de dizaines d'années, je ne veux pas faire le calcul, je vais me tromper, mais 1955, c'était vraiment précurseur. Et on retrouve effectivement dans ces visions utopistes, en tout cas ces visions joyeuses, tous les scénarios se dirigent vers ce qu'on a appelé là une frugalité assumée quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a un lien
avec le monde vivant non humain qui est reconstruit. On ne parle plus justement d'utilisation de technologie qui va amener à un bonheur, qu'il soit matériel ou en termes d'épanouissement, mais au contraire, un rapprochement avec cette nature un peu oubliée. En fait, ce sont des idées qu'on retrouve aussi bien dans la religion, hein, via Saint François d'Assise, on retrouve ces idées au Japon, en Inde, enfin partout sur la planète, on a abordé ça. Ce sont souvent des idées qui sont d'ailleurs reliées à pas mal de questions sur quel est le sens de la vie, quel est, enfin tout ça, quel est nos liens, quel est nos liens avec ce monde vivant non humain. Et donc ça prend différents termes. Le plus connu en ce moment, c'est la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, mais c'est loin d'être le seul. Hein. Henry David Thoreau, un Américain, a parlé de simplicité dans les années 1880 à peu près. Au Québec, il y a Pierre Dansereau qui a sorti l'austérité joyeuse comme concept, ou encore la simplicité volontaire de Serge Mongeau. Et tout ça fait partie, par contre, de discussions tout à fait sérieuses dans les pistes de solutions proposées par aussi bien d'ailleurs des associations, des scientifiques, etc. Alors maintenant, ça nous entraîne un petit peu sur la science-fiction et les réalités. Dans les récits de science-fiction, on peut considérer qu'il y a à peu près cinq grands thèmes, c'est-à-dire qu'il y a un thème qui s'appellerait la dictature verte. Hein. En gros, c'est la maîtrise de la gestion des ressources naturelles, non plus par l'homme, mais soit par une machine, par un robot, ou par une entité, en tout cas, qui est non humaine. Ensuite, il y a le thème de la technocratie, c'est-à-dire le salut ne passe que par la technologie. Hein. Ce sont surtout par les robots, donc tous les récits de Asimov, ou par l'intelligence artificielle, tous les récits de Philip K. Dick. À eux deux, ils ont donné à peu près tous les scénarios qu'Hollywood a pu proposer ces 30 dernières années. Il y a cette idée de nouvelle conscience environnementale dont on a abordé un petit peu les contours tout à l'heure. Il y a cette idée d'abandon de la Terre ou de la fuite. Hein, on retrouve ça dans Star Trek. Hein. Star Trek, c'est un vaisseau finalement qui parcourt l'univers de manière infinie. Et puis, il y a cette idée d'effondrement, on en a un petit peu parlé. Alors, la réalité dans tout ça, c'est qu'effectivement, la dictature verte, on le verra tout à l'heure, là, je ne vais pas le dire maintenant, sur la technocratie, on voit les avancées de Tesla ou des robotiques qui est quand même... qui sont assez majeurs. Donc les robots, on ne s'en aperçoit pas, mais une machine à laver, c'est un robot, hein, finalement. Donc les robots nous entourent au quotidien, donc c'est un thème qui est toujours présent. Sur la nouvelle conscience environnementale, on l'a un peu abordé, ça fait partie de gros débats, aussi bien dans le milieu scientifique qu'associatif. L'abandon, la fuite, on l'a abordé tout à l'heure, il y a des gros projets pour aller essayer d'aller sur Mars à tout prix, mais qui sont absolument sérieux, souvent portés d'ailleurs par des millionnaires plutôt que la NASA. Et sur ces histoires d'effondrement, ben on est au cœur du sujet actuellement. Hein, le rapport Meadows qui date de 1972, qui essayait d'extrapoler qu'est-ce que la Terre deviendrait en 2050 avec un effondrement des ressources naturelles, a été remis à jour avec des nouvelles modélisations en 2012 et il y a eu à peu près les mêmes résultats. Donc on est au cœur du sujet. Sur la dictature verte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un géographe américain en 1967 qui écrit dans son livre de manière tout à fait sérieuse « Le côté capricieux des agissements humains et une large gamme de motivations diverses sont les causes des changements environnementaux. Seule une gestion dictatoriale des terres par un gouvernement mondial pourrait faire correspondre les changements exercés sur le milieu et les aspirations sociétales. » Ce qui a donné lieu à la revue Ouzbek Erika, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une revue qui paraît une fois par mois et qui parle de ces questions un petit peu futuristes, qui parle aussi bien de science-fiction, mais qui parle un petit peu de tout, mais du futur surtout, avec cette première page, « Faut-il une bonne dictature verte ?» Bon, voilà, là, on provoque un peu, mais ce sont quand même des questions souvent qui peuvent être soulevées dans des cercles de réflexion, pas forcément sur les médias, sur les plateaux télévisés, mais quand même, ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Alors, ça nous amène à une question. Est-ce qu'on peut différencier un petit peu la fiction de la réalité? On en a abordé un petit peu tout à l'heure. Là, par exemple, cette question, vous reconnaissez une présentatrice météo très connue. Est-ce que les températures qu'on voit en France, c'est de la fiction ou de la réalité? Question plutôt facile. Alors, est-ce que ça inspire? Oui. Oui.
Eh bien non, c'est de la fiction. Donc comme on le voit tout à l'heure, c'est absolument de la fiction. La présentatrice s'est prêtée au jeu de faire une météo de France de 2050. Donc on retrouve, vous voyez, en bas, la fiction, pour un peu sensibiliser sur les changements climatiques. Par contre, la réalité, on retrouve l'image d'en haut avec la même tenue, d'ailleurs, la même présentatrice, qui a effectivement, en août 2003, durant la canicule 2003, on peut voir que les températures sont à peu près les mêmes. Donc l'idée de cette sensibilisation sur les changements climatiques, à ce moment-là, c'était de dire que 2003 pourrait être généralisé comme un été tout à fait normal à l'horizon 2050. C'est fiction, réalité, ça se retrouve un peu partout. Il y a un film qui s'appelle Take Shelter où on voit une série d'ouragans qui arrivent sur les États-Unis. L'année dernière, la photo en bas en bleu où on voit en vert les ouragans est une photo tout à fait. C'est une capture d'écran d'un simulateur qui représenter les ouragans en temps réel, et on a vu déferler 3 ouragans dans l'Atlantique, ce qui n'était absolument jamais vu depuis que les mesures existent. Donc là, on est plutôt sur quand la fiction rejoint un petit peu la réalité. C'est un petit peu ça qu'on voulait proposer. Et maintenant, on voulait vous parler justement, quand la fiction rejoint la réalité, elle rejoint ce qu'on appelle la prospective. Et la prospective, qu'est-ce que c'est ? C'est une véritable science et dans laquelle on essaye d'extrapoler un petit peu les tendances actuelles, mais de manière tout à fait sérieuse. C'est pas Madame Soleil, hein, la prospective, c'est pas des prolongations de tendances comme ça. Ce sont vraiment des scientifiques qui se disent qu'est-ce qui peut arriver avec des rétroactions entre les systèmes, des itérations, etc. On s'appuie sur des signaux faibles, et ça pose la question, est-ce que nous sommes en train de vivre des signaux faibles ? Est-ce que les ouragans de l'an dernier en Atlantique sont des signaux faibles de quelque chose d'un peu plus lourd qui risque d'arriver ? Ça s'appuie aussi sur des analyses rétrospectives, comment c'était un petit peu avant, est-ce qu'on peut s'appuyer sur une sorte de mémoire collective, essayer de comparer. Alors tout ça pourquoi ? Pour essayer d'offrir des scénarios dans le temps, de réduire aussi les incertitudes, mais aussi les angoisses, et surtout de proposer ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision, hein, aux décideurs, et de dire voilà, cela paraît probable, cela paraît possible, etc., etc. Et normalement, le décideur éclairé est à même de prendre des actions tangibles qui iraient dans un sens ou dans l'autre. Alors tout ça, ça existe déjà pour l'énergie, pour la géopolitique, pour la démographie, pour l'urbaine. C'est souvent intégré dans l'élaboration des documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc c'est tout à fait réel. Et ça permet aussi d'apporter, de donner de la matière aux écrivains de science-fiction. Parce que les scénarios prospectifs permettent aussi de crédibiliser la science-fiction. Une bonne science-fiction, c'est une science-fiction également qui permet de nous projeter dans un univers qui nous paraît tout à fait réel. Quand c'est trop imaginé, le lecteur ou le spectateur peut prendre à la rigolade, on va dire, des scènes, alors que le but du jeu, c'est d'essayer vraiment de le projeter dans un univers futuriste qui soit le plus réaliste possible. Alors, ça nous entraîne pour les questions, les défis, on va dire, actuels que nous sommes en train de vivre sur notre planète, c'est d'essayer de trouver des pistes de solutions. Donc, comment utiliser la prospective pour ça ? Eh bien, déjà, on va commencer par essayer de ne pas résoudre les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. C'est-à-dire qu'il faut essayer de penser différemment. Et ça, c'est tout le défi, surtout quand on est baigné depuis notre enfance dans une certaine façon de faire, dans une certaine rationalité, dans une certaine culture ou une certaine connaissance. Donc l'idée de la prospective, c'est qu'il peut y avoir plusieurs prospectives. Une prospective, comme je le disais, tout à fait rationnelle, dure, tout à fait scientifique, et une prospective un peu plus légère qui se positionne entre les deux, entre la science-fiction et la science, et qui permet d'aller un petit peu plus loin. Et cette prospective créative, elle est intéressante parce qu'elle permet d'imaginer réellement des possibles, des solutions qui peuvent être complémentaires à ceux proposés par un panel de professions, aussi bien des architectes, des politiques, des industriels, etc. Mais surtout de sortir d'un confinement. On ne s'aperçoit pas à quel point on est conditionné, et quand on est face à un problème, souvent on a le réflexe
réflexe de proposer des solutions qui sont en concordance avec ce qu'on nous a appris. Donc l'idée de la prospective créative, c'est d'aller au-delà, de déconstruire ces schémas et d'aller vers un autre système de pensée, de réenrichir cette pensée par notamment l'imaginaire. Alors pour ça, on a pris par exemple ce tableau que vous connaissez, qui est un autoportrait de Magritte. Magritte a peint ce tableau à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il était profondément pacifiste, il était persuadé qu'il n'y aurait pas de guerre en Europe. Donc c'est un autoportrait, on voit l'auteur qui regarde un œuf et qui peint non pas ce qu'il regarde, mais qui peint ce que va devenir l'œuf. C'est-à-dire que pour lui, l'œuf ne peut devenir qu'une colombe. Alors bon, il y a un symbole, une colombe c'est la paix, etc. Donc en gros, pour lui, quand il regarde la situation en 1936, il ne peut voir que la paix qui se profile. Bon, évidemment, il a eu tort, il peignait des œufs à la coque après la Seconde Guerre mondiale, il était particulièrement déprimé. Donc on a repris un petit peu ce schéma, et voilà, en regardant notre situation globale actuelle, à travers que ce soit les changements climatiques ou les changements globaux, qu'est-ce qu'on peut dessiner là-dessus? Et c'est le schéma qu'on propose quand on travaille avec des acteurs locaux pour essayer d'élaborer des politiques. Donc on les met un petit peu autour de la table et on leur demande de dessiner le territoire à l'horizon 2050. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre territoire, etc. Et à partir de là, on essaye de voir si c'est possible ou pas et comment aborder cette situation. Alors là, c'est une photo du périphérique de Paris, tout à fait banal, un morceau de périphérique, et des étudiants en master d'architecture ont imaginé ce que pourrait devenir ce périphérique, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire de la réintroduction du végétal, de l'agriculture, voilà, dans un horizon non pas temporel, mais dans un horizon à plus 6 degrés. Et ils ont refait, ils ont commencé par ça exactement, en imaginant ce que pourrait être la ville de Dunkerque à plus 6 degrés. Alors ça, c'est la ville de Dunkerque aujourd'hui du haut du Beffroi. La ville a été complètement rasée à la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruite. Donc c'est la ville actuelle, on voit ça. Et si on l'imagine à plus 6 degrés, donc qui peut être un horizon temporel tout à fait aléatoire, eh bien, au fur et à mesure des diapositives, on se rend compte qu'il y a une transformation, et là, ils sont allés au-delà de la possibilité. Par exemple, peindre en blanc du patrimoine en France, c'est totalement interdit par les architectes des bâtiments de France, donc ils sont allés au-delà de ça en disant, bon, si on passait au-delà de cette faisabilité technique, juridique, etc., est-ce que ça serait possible d'arriver à une ville qui soit résiliente, c'est-à-dire qui soit capable de résister aux impacts des changements climatiques. Donc ils ont rajouté des brumisateurs, des réserves d'eau, des zones d'ombrage, des digues renouvelées, une production électrique basée essentiellement sur le solaire ou l'éolien. Ils ont végétalisé les toits pour pouvoir aussi bien cultiver que se balader. Bref, ils sont allés énormément loin dans leur imagination. Et c'est cette manière, sans aller jusqu'à la science-fiction, mais quand même cette manière d'essayer de projeter le futur qui nous permet de nous décaler de nos modes de pensée et d'arriver à proposer des solutions qu'on peut ensuite proposer aux décideurs et ensuite il advienne ce qu'il advient. Il n'empêche que cette imagination se recoupe avec la science-fiction. Donc là, quand la réalité rejoint la science-fiction, on en est très proche entre cette prospective créative et la science-fiction, finalement. Et ça nous amène tout doucement à la fin de cette conférence. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Alors tout d'abord, ce que je disais, c'est que le lien entre la science-fiction et la prospective et la science, etc., est plus ténu que ce qu'on pense. Il peut y avoir aussi bien des confusions, des représentations fausses, etc., mais il n'empêche que l'univers de l'imagination permet de dépasser certaines limites technologiques, certaines limites scientifiques, certains débats qui sont difficiles à ouvrir finalement. Et donc ça nous permet aussi d'entrevoir des choses dont on n'a pas forcément à première vue pensé au premier abord. C'est parfaitement. Ça permet vraiment de faire des expériences de pensée et de projeter différentes solutions qui nous permettent de transcender les peurs, les angoisses, le thème aussi qui est évoqué dans cette
diapo. Moi, je reviendrai aussi sur le thème qui a été un petit peu évoqué en cours de route, sur l'influence possible de l'état d'esprit des personnes, des opinions et des idées, où là, il y a vraiment une relation qui va dans les deux sens, à la fois de l'opinion, de l'ère du temps qui alimente les auteurs de science-fiction et inversement toute cette créativité qui va petit à petit nous imprégner de certaines visions. Voilà, ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Ça vous a donné envie d'aller regarder un film de science-fiction ou de relire ou de découvrir un ouvrage de science-fiction. Sachez que les libraires sont débordés. Enfin, moi, je sais qu'il y a maintenant des librairies qui sont spécialisées là-dedans et que c'était vraiment en vogue de nouveau.